Je m'appelle Serafina Pekala. Nous, les sorcières, sommes au courant de nombreux événements de par les mondes, et il est très rare que l'on prenne part à l'un d'eux, comme cette fois. Le voyage de Lyra Belacqua et de Yorek Bjørnison, l'histoire de leurs amis et de leurs ennemis, auront des conséquences sur les mondes et tous ceux qui les habitent. C'est un honneur d'être ton guide et de te suivre dans ces aventures extraordinaires. Impressionnant. Comment allons-nous passer ? La glace est fine et fragile. Moi, pas. Encore des loups ! Je les vois. Regarde, Yorek, c'est le campement où les Samoyèdes ont emmené le garçon. Nous devons faire vite. Ils ne vont pas le garder là-bas très longtemps. Ah, de la mousse cicatrisante. Comment va-t-on descendre ? Ces plateformes ressemblent à des marches géantes. Ne refaisons jamais ça. Des pièges à ours ? Ce n'est pas juste. Thank you.
Excellent. Saleté de l'eau. Ah ! Recommençons. Je préfère pas, merci. J'ai l'estomac tout retourné. J'ai des doutes. J'étais sûre qu'on y arriverait. Yorek, est-ce que tu aimes te battre, comme avec ces loups tout à l'heure? Les ours en armure sont des guerriers nés. C'est dans notre nature. J'ai besoin de me battre, comme tu as besoin de respirer. Regarde toute la glace qui entoure ce bateau. Je parie qu'il est là depuis une éternité. C'était peut-être un bateau pirate? Ne me dis pas que tu veux aller l'explorer. Non, ce n'est pas possible. Nous avons une mission. On peut y aller. Sinon, je vais me changer en glaçon. Attention, Yorek, ils sont très nombreux. C'est vrai, mais je ne vais pas leur laisser le temps de se défendre. Formidable. Continue comme ça, Yorek. Presque. Essaie encore, Yorek. Il faut que nous passions. Continue, tu y es presque. T'es le meilleur, Yorek. Je savais que tu y arriverais. Thank you.
Je parie que là-haut, il y a un chemin qui mène au campement des Samoyèdes. Yorek, si tu m'aides à grimper au mât du bateau, je pourrai atteindre la caverne de l'autre côté. Je ne souhaite pas te laisser seule, Lyra. Je suis une grande fille, et en plus, Pan veille sur moi. Allez, aide-moi à monter! Splendide, Lyra. On a réussi. Tu penses que Yorek va se débrouiller ? Évidemment, c'est un ours. Ne fais pas de bruit, Pan. Il y a quelque chose d'étrange. Attention! 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 Et si on utilisait ces stalactites pour traverser?
essaie de faire tomber un stalactite fragile. Quel génie! Ça sent la nourriture. Il doit y avoir quelqu'un pas loin. Reste près de moi. Ah ah! Autre enfant! On a été repérés. Ah! Pas question. Moi, riche. Grâce à toi. Chérif. 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 Je l'ai eu. Désolé, monsieur, mais nous devons aller sauver un garçon. Je l'ai eu! À nous, Pan. De justesse. Si tu sprintes, tu les atteindras plus vite. Super. Bon boulot. Il a l'air d'aller. C'est déjà ça. Où l'emmène-t-il? Je n'aime pas beaucoup ça. Nous devons y aller. Oh oh, je ne veux pas regarder. Je suis content de voir que tu es saine et sauve, petite. Je ne peux pas en dire autant des chasseurs. Par ici!
facile. Territoire à nous. Yorek, au secours! Me chercher l'ours. Minable. Mes chasseurs morts, mon campement détruit. Pourquoi nous attaquer? Vous volez des enfants pour de l'or, et vous devez payer pour ces vies. Aujourd'hui, tu vas périr au nom de mes ancêtres. Ou c'est toi qui vas les rejoindre. À payer cher pour les vies de mes hommes. À payer cher pour les vies de mes hommes. Les ancêtres me donnent la puissance. À présent,
Va rejoindre tes ancêtres et répondre de tes crimes. Yorek! On a réussi, on l'a retrouvé! Et vous êtes tous les deux sains et saufs? Bien joué, Lyra! Bravo!